Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équitation et la préparation mentale dans l'équitation. Aujourd'hui, nous sommes avec un cavalier de dressage, donc David, qui est en amateur 1, et il va nous raconter son histoire au sein du programme High Performer Academy, ce qu'il a vécu avec la dépolarisation et comment aujourd'hui ça agit aussi sur le cheval. Donc, salut David, ça va? Bonjour Pierre, ça va très bien. Bon, toi, David, voilà, on arrive au bout de l'aventure du programme High Performer Academy. Et avant de voir et que tu puisses donner les conseils également, comment est-ce que tu en es arrivé à me contacter? Déjà, ça faisait des années que j'avais des problèmes parce que avec mes chevaux, ça se passait pas très bien. En compétition, j'étais pas du tout performant. J'ai eu une petite période où ça allait très bien, qui m'a permis de monter jusqu'au niveau championnat de France en amateur 1. Et très vite, il y a des difficultés qui se sont mises en place quand j'ai voulu passer au stade au-dessus, parce que ça devenait une épreuve insurmontable pour moi, qui a engendré des états de stress qui sont surréalistes quand on y pense avec un peu de recul. Et du coup, à force de laisser monter la mayonnaise et de m'agacer, j'ai fini par me dire que peut-être que c'était un problème psychologique et que d'essayer de régler le problème, c'était peut-être passer par le coaching mental. Donc, en cherchant, j'ai essayé un peu d'auto-hypnose parce que j'en fais avec mon métier. Ça n'a pas marché. Je faisais plus du renforcement négatif que du renforcement positif, donc j'ai amplifié le problème. Et en cherchant sur Internet, j'ai trouvé le programme qui m'a bien séduit parce que je trouvais sur les présentations qui correspondaient à mon besoin de prise en charge plus globale. Voilà. Et l'expérience montre que j'ai eu raison. Ok, justement, si on en arrive ici, voilà, qu'est-ce que ça t'a permis d'être, de faire, d'avoir le programme, enfin, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Le programme, il a franchement complètement changé mon comportement. En compétition d'abord et à cheval complètement. Parce que du coup, j'ai complètement éliminé toutes les tensions internes que j'avais en moi et qui du coup gênaient mon cheval. Ok. Parce que enfin, moi, je suis persuadé qu'on influe sur le comportement de nos chevaux, en fonction de notre état psychique. Comme ils sont hyper sensibles, en gros, moi, je dis toujours que faire du cheval, c'est faire une psychothérapie parce qu'il nous renvoie toujours dans la tête notre état d'esprit. Parce qu'il réagit en fonction de ce qu'on est, et comme c'est une proie, il réagit en fonction des dangers. Donc, quand il sent quelqu'un ou quelque chose sur son dos à côté de lui qui est stressé, ben, il ressent le stress et il a envie de le fuir. Donc, forcément, ça ne se passe pas bien. Mais du coup, d'avoir appris à gérer ça, à me sentir mieux, ben, je pense que j'influence mon cheval dans le sens positif. Ok, Ben, du et coup, tout va justement, mieux. comment? Et du Tout coup? va mieux, du coup. Du coup, tu vas mieux. Et Ouais. justement, tu disais, j'ai appris à gérer, mais alors finalement, tu vois, contrairement à, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, à l'auto-hypnose, là, est-ce qu'il y a eu des choses à faire ou est-ce que ça s'est mis en place plutôt naturellement? Ben, ça s'est mis dès la première séance de dépolarisation, la grosse The dépolarisation avec un grand D, celle qui soi-disant fait mal, mais qui ne fait pas si mal que ça au bout du compte, puisque ce qui compte, c'est là où on va, hein, c'est pas ce qui nous arrive C'est sur le clair. moment. Dès celle-là, j'ai eu comme un déclic et les choses se sont mises en place. Après, il faut un petit peu d'investissement, hein, il faut bien suivre tout le programme, regarder les vidéos, faire les exercices. Faut pas en faire 24 heures sur 24 non plus, hein. Ce serait mentir de dire que j'y passe tout mon temps, mais surtout au début, je trouvais que la mise en place était importante pour que les automatismes se mettent en place. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est juste apprendre une gymnastique de l'esprit, enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est apprendre une gymnastique de l'esprit pour arriver à retourner les situations, à switcher pour utiliser le vocabulaire, hein, qui va bien et arriver à éliminer, surtout ce qui m'a beaucoup aidé, c'est éliminer les idées négatives. Ça s'appelle le terme exactement. Quand on a une idée qui n'est pas constructive, voilà. C'est arriver à l'enlever, les bannir, dire stop, ça, tu ne vas pas dans la bonne direction, tu enlèves ça. Ça, c'est la première dépolarisation qui a vraiment enlevé, qui a réglé mon problème. Je pense que tout est parti de là. Ok. Après, c'est l'entretien et. Ouais, et après, oui, il y a les petites routines qui sont aussi en place. Et justement, par rapport à l'auto-hypnose que tu faisais depuis des années, est-ce que tu
pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement comme ça? Non. Non, franchement, j'avoue que je suis étonné. D'ailleurs, sans la fin du programme, je ressens presque plus besoin de continuer, comme la dernière séance, là où on a plus papoté que très parlé. Ce qui est bien aussi, hein. Ça fait du bien, ça remet les choses en place. Non, l'auto-hypnose, en fait, le problème de l'auto-hypnose, c'est que ça va bien quand ça va bien. Et ouais. Si ça va pas bien et qu'on fait l'auto-hypnose sur du ça va pas bien, on amplifie plus la chose que. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, hein. J'amplifiais plus mon problème que mentaliser des. En fait, je faisais de l'auto-hypnose et j'essayais de faire des mentalisations, c'est ça qu'on dit. Des visualisations, ouais, pardon. Visualisations, j'invente des mots. Ouais, et je visualisais le négatif, donc ça n'allait pas. Je me visualisais en train de me casser de tomber et de perdre. Alors que tout en pensant que j'essayais de visualiser quelque chose de bon. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais envahi d'idées non constructives. Et ouais. je faisais mon auto-hypnose là-dessus, c'était pas bon. Alors que maintenant, j'en refais un peu. Je continue, parce que ça fait partie du programme aussi, on en fait sur la fin. Ouais. Et c'est plus du tout les mêmes séances. Ouais. Okay. Il y a un petit prérequis avant de faire l'auto-hypnose. Oui, c'est pour ça que, l'auto-hypnose dans le programme arrive que vers la fin, je pense, vers au bout de 8 ou 10 semaines. Ok, et toi aujourd'hui, dans ta relation au cheval, qu'est-ce que tu aimerais partager aujourd'hui ou peut-être aux cavaliers qui regardent la dépolarisation, ce que ça t'a permis de faire ou même par rapport au cheval? Comment elle ressentit aujourd'hui, je comprends même pas qu'on puisse faire de l'équitation sans faire de préparation mentale. En fait. Okay. Parce que il y a une part de mental tellement importante dans l'équitation, parce qu'on est deux, contrairement à ce qu'on croit. Hein, c'est pas du vélo qu'on fait, on est sur un être vivant qui est sensible à son cavalier, avec qui on crée une relation particulière, parce qu'on appelle ça faire un couple. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Et après, c'est tellement sensible comme relation que des fois, on a juste à penser, c'est ça la force du truc, on a juste à penser à une action, et le cheval le fait alors qu'on n'a même pas encore pensé à nous-mêmes bouger. Donc, c'est que franchement, après, il devient sensible vraiment au langage corporel. Et le langage corporel, on le sait, hein, c'est prouvé. Je ne saurais pas citer des études, mais c'est prouvé. Il est vraiment l'expression de ce qu'on a dans notre esprit et c'est vraiment les émotions qui sortent, comme tu dis dans tes vidéos, là, qui ressortent par ton corps. Et lui, il est sensible à ça. Donc quand on est dépolarisé ou qu'on a fait une préparation mentale adaptée, on modifie ce langage corporel. Et du coup, le cheval va vers un bien-être qui fait qu'il le rend… déjà, il est dans le confort, dans le bien-être, ce qui est à la mode, le bien-être du cheval. Et du coup, il devient performant, il devient… à l'écoute de son cavalier, on a même l'impression qu'il prend du plaisir à faire plaisir. Okay. On se met dans une spirale positive qui fait qu'on ne peut que progresser, que être bien. Et en plus, comme on est bien, le cheval aussi se relâche. Donc, nous, on est bien. Donc, c'est vraiment après le cercle vertueux. Et là, on prend un pied. Je savais qu'on pouvait prendre un pied comme ça, mais je n'y arrivais pas. Et maintenant que je le ressens, c'est vraiment le top, quoi. Et justement, on peut se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Après, c'est limité. Après, c'est le physique du cheval et du cavalier qui vont limiter, mais ça, c'est pas grave non plus. Hein. On fera autre chose. Ça. Ouais. Et justement, si on parle concret, en termes de résultats concrets, avant le programme, tu étais où et aujourd'hui, quel résultat tu as eu en fait? Eh bien, alors le programme, là, je suis presque à 3 mois, là, c'est ça, j'ai 2 mois et demi, 3 mois. Je faisais pas grand chose avant, c'est-à-dire que en complet, je finissais à peine des concours, je finissais dernier ou dans les avant-derniers, je finissais à peine mes crosses sur des amas 3, pour ceux qui savent, donc c'est vraiment amateur petit niveau. Je voulais pas monter plus haut et c'est plus haut parce que c'était pas la peine. En dressage, je faisais des amateurs 2. Propre, mais pas plus. Là, depuis 2 mois et demi, je fais 4 concours. Je suis classé 4 fois. Le dernier ce week-end, je gagne. Je suis monté en amateur 1, c'est niveau B. Et je viens de gagner mon ticket pour faire peut-être les élites l'année prochaine. Donc, en 2 mois, je suis arrivé au niveau que j'espérais obtenir. Quoi. Donc, c'est très bien. Après, il ne faut pas s'emballer. On sait que ça ne va pas durer comme ça tout le temps, mais c'est très bien. Alors, je profite.
profite. Et puis même quand il y a des petits échecs, parce que bon, là, il y a les résultats, mais des fois, il y a des petits coups de moins. Mais on sait pourquoi, on analyse tout de suite à froid et ça aide à progresser. Donc, c'est vraiment… c'est là l'intérêt de la dépolarisation, c'est qu'on en a un petit échec, on arrive à trouver le positif qui fait qu'on repart tout de suite parce qu'on sait que c'est qu'une étape. Ce qui compte, ouais. C'est le chemin. Là. Ouais, exactement. La mission. On devient sur le long terme. Ok, bah, c'est top. Merci pour ce partage, David. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager ou... J'ai un petit truc à dire, c'est qu'il faut vraiment être au début, faire un petit effort, franchement, pour se mettre bien dans le programme. Ça demande un petit investissement personnel, hein. Ce n'est pas un miracle non plus. Hein. C'est ouais. Ça, tu dis au premier rendez-vous, là, quand on fait. Ouais. Tu peux s'investir, c'est normal, hein. On n'a jamais rien sans rien. Ouais. Puis après, franchement, les résultats, c'est simple. L'investissement est minable à côté des résultats qu'on a. Donc, c'est vraiment très bien. C'est ça, je le conseille. Franchement, okay. Tous les jeunes cavaliers que je vois là, parce que ouais. Je crois que quelques jeunes professionnels qui en parlent, parce qu'ils se mettent déjà dans des programmes comme ça, que c'est vraiment important. Ouais, et ok, cool. Ouais, c'est clair que c'est hyper important. Et là, au-delà, en fait, c'est au-delà aujourd'hui de toute préparation mentale qui existe aujourd'hui en France, et qu'une fois qu'on a fait ce programme, une fois. Bah, c'est fini en fait, il y a plus besoin, enfin tu le sens aujourd'hui, il y a plus besoin de moi, il y a plus besoin d'un membre de l'équipe, c'est fini, il y a plus besoin. Je sais pas si tu le ressens aujourd'hui cette autonomie, c'est léger et c'est fini. Ça, je crois que c'est l'étape suivante. J'en suis encore à me demander, c'est trop beau, est-ce que ça va durer? C'est normal, hein, après c'est tout neuf, hein, donc ouais. Mais j'espère que tu as raison, hein. Mais moi jusqu'à maintenant tu as raison, donc il y a pas de raison que ce soit dans un autre sens. Après on a les outils, hein, pour essayer de, quand ça ne va pas, de revenir, reprendre son petit programme, parce qu'on a une belle caisse à outils là, pour essayer de se débrouiller. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, David, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un entretien dans un an pour montrer qu'un an plus tard, bah, finalement, même sans avoir refait de séance avec quelqu'un en dépolarisation, bah, ça progresse tout le temps. Mais avec plaisir. Il y a pas de problème. Donc, on note la date 6 octobre. Super. Bah, écoute, merci David pour ce partage d'expérience. J'espère qu'il inspirera vraiment d'autres cavaliers à passer à l'action. Et bah, si vous voulez vous abonner ou commenter ce que vous pensez de cette vidéo et du partage de David, bah, mettez en commentaire et vous pouvez partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci David. Ciao. Au revoir.